placé en plaquage frontal. On visse, on regarde tout le temps la ceinture. Parce que dans ce genre de situation, évidemment, il y a beaucoup de retour en terre. Donc on ralentit un peu la course. Et c'est au dernier moment vraiment qu'on engage. On fait la fente comme ça. Et après de faire la fente, vraiment à plus vite avec l'épaule. Pour que vous puissiez vraiment lui renverser vers là-bas. Pas seulement faire le plaquage glissant, mais vraiment lui perturber la transmission. Et tout. Allez, Kaba, arrête, sinon on perd du temps. Les plaquages en jambes, c'est surtout si le mec il est plus costaud que. Mais s'il est plus mince, vaut mieux quand même les deux jambes.